Mon premier favori du mois, c'est le soleil, mais alors pas la chaleur, hein. Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris et découvertes du mois de juin. Mon premier vrai favori, à part le retour du soleil, c'est la lotion auto-bronzante de Jergens. Je ne connaissais pas cette marque avant de voir un article d'une blogueuse américaine que je suis, qui disait « Oui, si j'ai l'air si bronzé, c'est parce que j'utilise ça ». C'était même pas un partenariat, rien du tout, hein. Elle racontait juste sa semaine et je me suis dit « Waouh, c'est un super beau bronzage, ça a l'air super naturel, ça fait pas orange, il faut que je regarde pour tester ça ». J'ai trouvé cette lotion sur Amazon, je vous mettrai les prix à chaque fois en insert sur l'écran parce que j'ai pas pensé à regarder la liste des prix avant. Et c'est très très bien. Si vous voyez là, le tube, il a déjà vachement baissé parce qu'en fait j'en mets tous les jours et, petite précision qui a fait que j'ai eu vraiment envie d'acheter ce produit, c'est que apparemment ça contribue à réduire aussi la cellulite. En plus de nous donner un hâle, c'est anti-cellulite. Je n'ai pas regardé la composition dans le détail, même pas du tout, j'avoue, mais apparemment ça fonctionne super bien. Alors moi ça fait une grosse semaine que j'utilise quasiment tous les jours. Il n'y a eu que 2 jours, j'étais pas chez moi donc j'ai pas utilisé la crème et je vois pas de réduction de cellulite, mais je vois que ma peau a l'air plus jolie. Alors c'est peut-être dû au fait qu'effectivement, quand une peau est hâlée, la meilleure mine, hein, c'est pas que le visage, c'est tout le corps, je ne sais pas. Je n'aurais pas vous donner d'avant après, mais si vous trouvez cette crème, un de ces 4 par chez vous, si vous la trouvez sur Amazon FR, ben, n'hésitez pas à la tester, parce que je trouve que au niveau bronzage, en tout cas, c'est super bien, parce que ça se voit en une application, mais ça fait pas de tâche comme un auto-bronzant, ça va pas faire de vieilles traces orange. Et aussi, bon point, c'est que l'odeur est quand même vachement discrète et beaucoup plus agréable que celle d'un auto-bronzant classique, ou même hein, les laits progressifs auto-bronzants comme Dove, par exemple, que j'utilisais avant. Ça a toujours cette petite odeur de cochon grillé que, personnellement, je n'aime pas du tout. Et bien, celle-là, elle est comme ça, au niveau de l'odeur. Il y a 221 ml, je pense que je vais faire un mois avec ça, hein, parce que concrètement j'en utilise beaucoup. Mais ça coûtait pas extrêmement cher il me semble, donc pourquoi pas. Je n'ai pas trouvé d'équivalent qui soit à la fois raffermissant et auto-bronzant, donc pour le moment j'aime beaucoup ce produit. Ceci est une découverte qui, j'espère, va vous plaire. C'est la nouvelle éponge style Beauty Blender de Real Techniques. Et c'est une éponge en forme de diamant. Oh mon dieu! Quand j'ai vu ça sur le site de Cosmo, Cosmo USA, je me suis dit, wait a minute, il me la faut. J'ai eu directement envie de tester cette éponge parce que j'ai vu qu'elle allait arriver aussi en Europe. Et honnêtement, je ne sais pas quand elle va arriver, mais ouvrez l'œil parce que perso, aux États-Unis, je ne l'ai encore vue dans aucun magasin. Aux États-Unis, à New York. Vous savez bien que je ne fais pas toutes les villes des États-Unis pour chercher une éponge. Je l'ai commandée sur iHerb du coup, et c'est un bon plan aussi pour vous parce que vous pouvez commander sur iHerb. Et d'ailleurs, je vous parle souvent de iHerb et j'oublie tout le temps de vous dire que j'ai un code promo. En fait, c'est un code de parrainage et si vous l'utilisez, vous aurez une réduction sur votre première commande. Je ne sais pas exactement combien, mais ça peut être intéressant si jamais des produits que je vous montre vous intéressent. Donc, revenons au produit. Je déballe avec vous. Cette petite éponge en forme de diamant coûte 10 $. Ce qui est quand même 2 fois moins cher que le Beauty Blender original. Hein. Il y a Pintou qui est en train de faire des bêtises derrière la caméra. Je disais. Cette petite éponge en forme de diamant coûte 10 $ sur le site de Real Techniques, mais sur iHerb, elle est à 8 $, donc ça vaut encore plus la peine d'acheter sur iHerb. Elle est très jolie, hein, ça y a pas à dire. Elle est un peu durette, je dirais. Et alors, j'ai voulu l'essayer parce que je suis fan du Beauty Blender. J'ai eu l'éponge aussi de Real Techniques, la orange, là. Mais en fait, je comprends pas bien l'intérêt d'avoir une éponge en forme de diamant. Alors sur la boîte, c'est mis 900 carats. Really? Pour 8 $? Regardons quand même, il y a l'explication sur la boîte. La face, ici, la tête du diamant, c'est fait pour appliquer le fond de teint en grande zone, hein, sur tout le visage. Ensuite, on a les longues facettes du diamant. Ça, c'est pour faire genre les zones en dessous de l'œil. Ce qui peut être pas mal dans le fond pour appliquer le concealer. On a les petites facettes du diamant, donc vous voyez ces petites zones-là. Ça, c'est pour tout ce qui est autour des yeux, autour de la bouche et autour de l'arcade sourcilière. Donc oui, oui, enfin, ouais. Je veux dire, on fait avec ça, c'est pareil. Hein. Et la pointe, pas mon chat, hein. La pointe du diamant. Là, ça sert à couvrir les petites imperfections. Et pour ça, je suis vraiment très sceptique parce que, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est une vraie pointe, pointue. Pas que ça fait mal, c'est de la mousse, mais
Je sais pas comment je vais couvrir un bouton en m'enfonçant la pointe du diamant dans le visage. Je vais tester ça en vidéo, bien évidemment. Je ne sais pas encore avec quel fond de teint, parce que soit mes fonds de teint sont épais et à la bonne couleur, ou alors plus liquides, ce qui est mieux avec ça, mais trop clair. Donc je ne sais pas. On va essayer d'arranger ça, mais je vous montrerai ça en vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et restez connectés pour voir le crash test de cette éponge. C'est un favori et découverte spécial cellulite, hein, je vous préviens déjà. Parce que j'ai acheté cette brosse EcoTools, qui est une brosse pour le brossage à sec. Et le brossage à sec, c'est, comment dire, un rituel beauté, on peut dire un rituel soin et même hygiène, qui a beaucoup de vertus, notamment le fait d'exfolier la peau et de stimuler le système lymphatique. Vous savez que dans notre corps, il n'y a pas que le système sanguin, le système nerveux, il y a aussi le système lymphatique. Et la lymphe, quand elle est bien activée, quand elle est bien en mouvement, elle aide à éliminer les toxines. Et le brossage à sec aide à l'élimination des toxines et aussi adoucit la peau et aussi apparemment aide à réduire la cellulite, étant donné que avec le brossage, on va stimuler le système lymphatique qui va aider à drainer tout ça. Je faisais déjà ça en Belgique, c'est un rituel que j'aime beaucoup, je trouve que c'est hyper délassant de se brosser le corps. Je sais pas vous, mais moi j'adore ça. Je trouve que c'est très revigorant et aussi ça fait un bon gommage sans devoir utiliser de gommage à grains sous la douche. Donc moi je brosse absolument tout mon corps. Bon. Vous vous doutez bien que je fais pas les parties intimes. On va pas se brosser là-dessous. Mais je veux dire, je fais tout, des pieds, au cou, les mains, même les aisselles. Vous pouvez brosser vos aisselles partout. Je vous invite à vous renseigner sur le brossage à sec, parce que là je vous montre juste la brosse, hein, je vous explique pas vraiment comment ça se passe, mais c'est très très bien, et comme j'avais pas pris ma grande brosse, c'était une brosse avec un manche, lors du déménagement j'ai racheté celle-ci, elle est pas trop rigide, donc ça c'est bien, ça fait pas mal quand on se brosse, et en même temps, je vous jure, essayez, si vous n'avez jamais fait ça, essayez, c'est un vrai bonheur, et ça coûte trois fois rien de s'acheter une brosse, ça ne nécessite pas de produit, je répète, donc c'est bien un brossage à sec, et ben, si j'ai des résultats, je viendrai éventuellement vous en faire une vidéo, si ça vous intéresse qu'on parle astuces au niveau élimination de la cellulite ou plutôt amélioration de la peau, peut-être. Et si vous avez des solutions miracles, ça n'existe pas, Momo. Oui, je sais, mais on sait jamais. Laissez-moi un petit commentaire. Quand je vous disais que c'était des favoris de découverte anti-cellulite, c'était pas une blague, hein, parce que je me suis acheté l'huile cellulite au boulot. Enfin, l'huile anti-cellulite, je dirais plutôt, au boulot, de Velleda. Velleda, c'est une marque que vous connaissez, je suppose. Je l'ai également acheté sur iHerb et j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien les produits Velleda. J'en ai pas testé des masses, je vous avoue, mais déjà, ça me fait rire parce que la cure de jus de bouleau et l'huile ici de massage, c'est dans la même bouteille. Donc, faut pas vous tromper hein, si vous achetez les deux. Mais c'est vrai que le bouleau est reconnu pour aussi ses vertus drainantes. Et donc, ça ne peut faire que du bien. Même si, bon, moi, j'ai acheté ça parce que j'utilise une Cellucup et que je me massais avec de l'huile de noix de coco ou de l'huile de jojoba. Mais j'avais vraiment envie d'une huile dédiée à ça. Je pense que c'est le massage qui fait plus le travail. Et pas l'huile X ou Y, donc acheter une huile à 150$, je ne le ferai jamais. À moins que ce soit vraiment prouvé à 100% que ça élimine la cellulite en un massage, mais sinon dites-vous bien que c'est le mouvement, le massage vraiment mécanique qui va faire que votre cellulite va diminuer. Mais enfin, ce genre de produit est très très bien, il a vraiment une petite odeur citronnée qui est hyper agréable, le produit pénètre bien dans la peau, ça laisse la peau un peu grasse, mais bon, faut pas en mettre 3 tonnes non plus, et quand on a vraiment bien massé ses cuisses ou toute autre zone concernée, ça fait pas un aspect poisseux, donc très agréable, et je pense qu'en Europe vous allez payer ça moins cher que le prix que je vais vous mettre de iHerb, donc n'hésitez pas à me dire, je sais que Velleda c'est pas non plus 5$ la bouteille, mais regardez plutôt dans vos magasins, je pense. Et dites-moi éventuellement si vous connaissez ce produit, combien vous le payez en Belgique, en France, en Suisse. Le produit What the Flute des favoris et découvertes du mois de juin, c'est le Carbonated Bubble Clay Mask de Elisabeca Milky Piggy qui est en train de faire le buzz sur la toile ici. Et c'est très drôle parce que ça fait déjà longtemps, j'ai l'impression que les francophones connaissent ce produit alors que d'habitude, on a plutôt tendance à dire que ça va dans l'autre sens. J'ai voulu tester ce masque et ça fait déjà un petit temps que j'en avais envie parce que j'avais vu la vidéo d'Emma Dolly. Elle me faisait rire. Elle me fait tout le temps rire. Mais elle me faisait tellement rire avec sa tête toute déformée parce que c'est un masque en fait qui gonfle sur le visage et qui fait comme une espèce de mousse, comme dans le bain. Il y a de l'argile, du kaolin et du charbon dans le masque. C'est pour ça que ça a des effets apparemment purifiants, nettoyants. Et aussi, c'est pour ça que c'est gris. Mais il y a aussi de la glycérine et du collagène dedans. Bon, il y a aussi des crasses, hein. Faut pas vous leurrer, c'est pas naturel. Mais j'avais envie de tester. C'était pas très cher comme masque, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est pas que je vais
explosé mon porte-monnaie en l'achetant. Je l'ai déjà utilisé deux fois. Il est sympa, maintenant j'ai pas vraiment vu d'effet waouh. Mais je vois quand même la peau qui est douce et qui a l'air un peu quand même nettoyée. Je vais pas dire totalement décapée, hein. Ça non, pas de rougeur, pas de réaction. Un peu nettoyée, oui, un peu plus... comment dire ? Un peu plus clean peut-être, un peu plus clair. Et ça, ça fait vraiment plaisir parce que vous savez que le Glam Glow, qui est hyper connu, sur moi c'est un vrai flop. Donc peut-être que je ferai une fois une vidéo juste pour rire, on va dire, hein, où je testerai ce masque avec vous. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà testé des masques du genre, parce que je trouve ça trop drôle. C'est totalement gadget, mais les ingrédients dedans sont des ingrédients qu'on trouve dans des autres grands masques. Encore une fois, le Glam Glow, c'est un peu le même genre de compo, donc pourquoi pas avoir le petit côté fun en plus. Une nouveauté aussi dans mon armoire de salle de bain, c'est le Glow Tonic de Pixi. C'est un tonique qui est hyper connu sur la toile. Moi, je l'ai connu grâce à Marielle du blog de Neroli, et je pense que Hélène de mon blog de filles en avait parlé aussi. Mais enfin, il y a plein de gens qui ont parlé de ce tonique qui apparemment fait des merveilles sur les peaux à problème. C'est un tonique qui a 5% d'acide glycolique. Donc c'est l'acide alpha-hydroxylé, AAH. Qui va faire une exfoliation chimique de notre peau. Donc encore une fois, c'est comme le masque dont je vous ai parlé avant, ça ne va pas vous décaper la peau. Pas de rougeur, pas de réaction, pas d'irritation pour ma part, mais attention avec les produits qui contiennent des acides comme ça, parce que ça rend la peau photosensible. Donc ça veut dire ne sortez pas à l'air libre, ne sortez pas au soleil après avoir appliqué cette lotion, rincez votre visage, mettez une protection, bien évidemment. Je pense que c'est mieux de le rappeler. J'adore cette lotion, d'ailleurs... Ça fait une grosse semaine aussi que je l'utilise et ça descend un peu trop vite à mon goût. Mais enfin, je l'utilise matin et soir. Elle a une odeur difficile à qualifier. J'ai vu qu'il y avait du caramel dedans, donc c'est peut-être ça, cette odeur un peu bizarre. C'est une odeur qui pourrait être très bonne, mais qui l'est pas vraiment. Mais pas pour autant une odeur dégueu. Donc c'est un peu bizarre à décrire. Je trouve que ça a une petite odeur de lotion pour bébé, mais avec une autre sous-odeur qui vient un peu gâcher le truc. Pour autant, ça reste très agréable à appliquer. Ça ne pique pas. On sent par contre, hein, j'avais un bouton là et quand j'ai passé le coton hier, j'ai senti que ça picotait un peu, mais un peu, pas de réaction horrible, donc ça c'est très bien. Ça coûte son prix, hein, ça coûte 29$ sur le site de Pixi USA et sur Amazon US. Je pense que c'est un petit peu moins cher en Europe parce qu'il me semble que Pixi ça vient d'Angleterre. Certes ça coûte son prix, mais j'avais tellement envie d'essayer ce tonique que j'espère vraiment que ça va aller. Et si j'ai de bons résultats, j'hésiterai pas à venir vous en reparler, donc affaire à suivre. Dernière découverte du mois qui s'est tout de suite transformée en favori, ce sont mes câbles de la marque L'Atelier du Câble. Alors j'ai été contactée par la marque qui m'a demandé si j'avais envie de tester leurs produits et qui m'a dit que je pouvais me faire deux câbles personnalisés, totalement personnalisés. Alors j'ai trouvé le concept super et un, vous savez que quand j'ai un partenariat, je vous le dis tout de suite, voilà, il n'y a pas de secret entre nous. Et deux, j'ai accepté parce que je me suis dit que ça c'était chouette de vous en parler parce que ce sont des produits du quotidien. Tout le monde a besoin de câbles. Et moi j'ai pris des câbles pour nos téléphones, j'en ai fait un pour mon petit crelet et un pour moi-même. Moi j'ai pris des câbles pour iPhone parce que c'est ça qu'on a le crelet et moi, mais j'ai le site ouvert juste là. Il y a aussi micro USB et USB type C, donc c'est bon à savoir. Et le principe en fait c'est que vous pouvez choisir et la longueur de votre câble, et la couleur, et si vous voulez une inscription sur... les deux embouts. J'ai trouvé le principe super sympa. Je connaissais déjà en fait grâce à Laureline qui en a déjà parlé. Et du coup j'ai craqué, j'étais trop contente quand on m'a proposé de tester les câbles. Et ils fonctionnent super bien. Alors là absolument aucun problème avec. C'est exactement comme un câble Apple. Vraiment hyper hyper contente. Alors moi j'ai choisi un câble blanc avec les embouts Mint. J'ai écrit. Attendez, je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens. Enfin, j'ai écrit. J'ai fait écrire. Tada ! C'est mon câble officiel. Et pour mon petit crelet, je lui ai pris un câble bleu avec les embouts gris. Et pour lui, on a mis le crelet. Alors lui, il a un câble d'un mètre. Et moi, j'ai demandé un câble de 2 mètres. Et à choisir, en fait, je pense que 3 mètres, ça aurait été bien aussi. Parce que ça va de je ne sais combien de centimètres à 3 mètres. Donc moi, j'ai pris 2. Et c'est un peu difficile de vous montrer comme ça, mais il est... bien long. Je trouve ça plus pratique quand on est dans son lit ou quand on est dans son canapé et qu'on a besoin que le téléphone charge. Donc très très belle qualité. Livraison rapide en plus, alors que bon, je suis quand même à l'autre bout de la planète. L'Atelier du Câble, c'est une société française et les câbles sont faits en France. Et j'aime beaucoup encourager ce genre de société. Je trouve que c'est quand même chouette. Hein, et les prix sont vraiment, vraiment pas exagérés. Entre aller chez Apple et avoir un bête câble, comme tout le monde, et aller à l'Atelier du Câble et avoir son câble personnalisé pour plus ou moins le même prix, je vous recommande vraiment d'aller vers ce site. Et d'ailleurs, j'ai un code promo pour vous qui vous donne moins 15% sur votre commande. Je vous le mets sur l'écran
et en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et surtout, si vous faites un câble grâce à mon code promo, envoyez-le-moi sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien voir ce que vous avez choisi comme personnalisation. On passe aux favoris qui ne sont pas physiques. Le premier favori du mois de juin, c'est le week-end que j'ai passé à Washington avec mon petit Crowley. Pour nos 10 mois de mariage, il m'a fait la surprise de m'emmener à la capitale et j'ai été enchantée. J'ai fait un vlog d'ailleurs sur notre week-end là-bas, donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets ici. C'était super. En fait, j'avais pas d'a priori sur la ville, je connaissais absolument pas Washington. Je savais que c'était la capitale, je savais qu'il y avait la Maison Blanche, mais je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce qu'il y avait à voir. Donc, j'étais positivement surprise et émerveillée de voir qu'il y avait plein de belles choses, très historiques et surtout culturelles. Et en fait, on n'a pas vu tout ce qu'on voulait. Parce que bon, 2 jours, c'est quand même court. Surtout qu'on est arrivé très tard le vendredi, on est reparti pas trop tard le dimanche, donc on n'a pas vraiment le temps d'explorer comme on voudrait. C'était un gros coup de cœur, je suis super contente, donc je remercie encore mon petit chéri de m'avoir fait cette surprise. Et si vous êtes déjà allé à Washington DC, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quelles ont été vos impressions. Moi en tout cas, j'ai hâte d'y retourner. Et on termine avec les favoris musique du mois de juin. Alors le premier coup de cœur que j'ai eu ce mois de juin, c'est une musique qui est sortie en 2009, donc c'est pas du tout récent. Et j'ai appris qu'en fait elle était utilisée dans des vines et dans des memes. Je sais pas comment on dit en français, pour des trucs drôles. J'adore cette chanson, c'est Shooting Stars du groupe Bag Raiders, que je ne connaissais absolument pas avant cette chanson. J'adore, je trouve que c'est hyper entraînant et hyper addictif comme chanson du coup. Comme à chaque fois que je flash sur une musique, je l'écoute en boucle depuis que je l'ai découverte. Donc dites-moi si vous connaissiez, tiens, parce que avec toutes ces histoires de blagues sur internet dans lesquelles il y a cette musique, enfin, peut-être que vous l'avez déjà entendue. Moi je vous invite à l'écouter en dehors des vines et tout ça, et à me dire ce que vous en pensez. J'adore. Et dernier coup de cœur, musique. C'est pas un nouveau coup de cœur, c'est pas une nouveauté, mais c'est musique slash manga, slash animation. Je sais pas trop comment on pourrait décrire ce truc, c'est Interstellar 5555. Attendez, je vais regarder le titre complet. The Story of the Secret Star System. C'est un manga, film d'animation qui a été créé et inventé par les Daft Punk et un studio d'animation qui, je pense, faisait Albator. Je pense, en tout cas, c'est le même trait. Et bon, voilà, c'est sorti il y a 15 ans et... Comment vous dire? Je suis fan des Daft Punk depuis toujours. Voilà, ça fait plus de 20 ans. C'est, je pense, un de mes groupes préférés au monde. J'adore. Je suis vraiment hyper fan. Je rêverais de les voir en live. On peut toujours croiser les doigts après Alive 97 et Alive 2007. Voilà, on est en 2017 les gars, c'est le moment, c'est l'instant. Mais alors ce petit film d'animation, c'est la compilation, si on peut dire, de leur clip avec l'album Discovery, qui est leur deuxième album, qui était sorti en 2001. Et ça retrace une histoire, il n'y a pas de dialogue, il n'y a que leurs chansons, et c'est juste trop bien fait. Je vous dis, ça fait 15 ans que c'est sorti, et si on m'avait dit que c'était sorti hier, j'y aurais cru, parce que c'est tellement beau. Voilà, je suis tellement fan. Et je suis sûre que vous voyez de quoi je parle comme manga, on va dire, parce que les clips de Digital Love, One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger, on les a tous au moins vus une fois, au moins passés, hein, les petits bonhommes bleus qui sont dans un groupe de musique. Je vous invite vraiment à regarder Interstellar 5555, surtout si vous aimez Daft Punk, parce que ça fait un retour en arrière, ça fait une nostalgie. Et en fait, c'est quand j'étais dans le car pour Washington, j'écoutais Daft Punk sur YouTube, et je me suis dit, oh tiens, je vais écouter One More Time, et puis en fait, toute la série s'est lancée, hein. Après, les clips se sont enchaînés, et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai vu les commentaires, Interstellar, j'étais là, waouh. Je suis tombée dedans, et je l'ai regardé à l'aller et au retour. Voilà. Daft Punk, pour moi, c'est un groupe intemporel, je pense que dans 50 ans, je les écouterai encore, on est fan ou on ne l'est pas, je ne sais rien y faire. Et vous, est-ce que vous aimez Daft Punk? Il y a beaucoup de gens qui aiment bien, donc j'espère que j'aurai des petits commentaires pour me dire que oui. Comme ça, on pourra échanger entre fans. Et voilà pour cette édition des favoris et découvertes de juin, mes petites biches. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi quels sont vos favoris du mois. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. D'ailleurs, il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne en anglais, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je dis ça, je dis rien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.